penses de ta situation avec la nationale? T'es un club perdant. Un club de perdants, je devrais plutôt dire. La direction est complètement mêlée. Le casino et puis la ville de Québec sont pas contents. Ils vont sûrement réduire les salaires si le club fait pas les playoffs. Tu vas te retrouver dans une situation intenable pour renégocier ton nouveau contrat, mon Danny. Tu vois, je te l'avais dit. Tu devrais écouter ton père plus souvent, Danny. Hein? Si j'étais ton agent, là, je te sortirais de Québec, moi, de toutes les façons imaginables. Ça se fait, tu sais. Quant à l'autre problème... Il n'y a pas d'autre problème. Le triplex. Regarde, j'ai fait analyser toutes les données. C'est loin d'être un mauvais investissement pour toi. T'achètes le triplex, tu nommes ton père gérant de l'immeuble, tu lui payes un salaire déductible des revenus de l'édifice et lui t'ordonne la partie sauvée à l'impôt sous forme de loyer. Ta mère puis moi, ça nous coûtera plus rien pour se loger. Après ça, on pourra en acheter un autre, ton frère s'en occupera. Non, mais... faudrait peut-être commencer par le premier. Mais je t'avais dit, hein, ça a de l'allure. Ah, Monica, entre, entre. C'est ma secrétaire. Tu connais Danny? Bonjour, Danny. Bonjour, mademoiselle. C'est elle qui s'occuperait de tes affaires personnelles. Monsieur Labrie, j'aurais besoin de votre signature. C'est pour les bureaux de la Ligue à New York. C'est très important. Très bien, chère.